Avant que Mel parte et qu'elle rentre chez elle, je voulais vraiment partager avec vous ce qu'elle fait dans la vie, parce que c'est super intéressant et vous dire qu'elle m'a beaucoup beaucoup aidée, surtout quand Maria Valentina est née et aussi à la maternité quand Alma est née. Du coup voilà, je te laisse parler. Bah, du coup, moi j'ai une société de bien-être pour enfants où je m'occupe vraiment de tout ce qui est bain, massage, portage, réflexologie, accompagnement, aide à l'allaitement, tout ça vraiment sur le bien-être de l'enfant, Et de la des maman. parents, voilà, de la maman aussi, parce que le séjour à la maternité est très court. Donc, du coup, des fois les parents rentrent, ils sont un petit peu perdus entre guillemets, et donc ont des idées, enfin, ont des, comment, ont des idées, elles regardent sur internet ou quoi, et des fois c'est pas les bonnes. Hein, les bonnes Oui. décisions à prendre. Donc, du coup, elles prennent contact avec moi et moi je me déplace à leur domicile par des ateliers en fait qui sont sur mon site internet et je reste avec elles tout le temps qu'il faut. Voilà. Peace. Alors, on a bien dormi ou pas? Très bien dormi. Très bien dormi. Aucune s'est levée le soir. Vincent a donné le dernier biberon à Alma à 2h. Elle dormait. Mais comme je vous ai dit, même. Si Alma dort, ben, on lui donne le biberon et elle a quand même pris 4-5 doses. Maria Valentina, elle a super bien dormi. Elle s'est couchée à 21h. Et ben, les deux, elles sont levées à 7h du matin. Du coup, moi, je me suis levée et j'étais en forme parce que j'ai bien dormi. Vincent, il a dormi. Il a donné un tout petit peu de sirop naturel à la base de camomille. À Maria, avant de se coucher. De chez Pediakid. Et du coup, ben, moi je me suis levée à 7h, pareil que mes filles en forme. Et Vincent, il a pu se reposer jusqu'à 8h30. Voilà, du coup, on est en forme. On est venu arranger tous nos téléphones. On a aussi pris des coques. Voilà, on est avec les enfants, des chargeurs qu'on a personnalisés. J'ai pris en vidéo, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Maria? Il est pas trop tout okay, hein. On sait où tirer. Les filles, regardez, je vais vous parler de SoShape encore une fois. Alors, comme vous savez, le concept, c'est super simple. SoShape, c'est le challenge qui permet de mincir facilement et sans renoncer aux bons nutriments. Vous avez plusieurs challenges. Vous avez le challenge de 5 jours, 14 jours et 28 jours. Je vous conseille de faire celui de 14 jours minimum pour vraiment atteindre vos objectifs. Si vous faites celui de 28 jours, c'est vraiment le top. Ensuite, vous allez pouvoir préparer vos shakers préférés. Vous avez 23 saveurs gourmandes. C'est super facile à faire. En plus, c'est des produits fabriqués en France, sans conservateur. C'est des produits vegan et avec la meilleure note, Nutri-Score A. En fait, la méthode SoShape, c'est vraiment très très simple. Vous devez commencer avec un petit déjeuner en préparant votre shaker préféré. Ensuite, le midi, vous avez le déjeuner libre et le dîner, vous devez juste préparer votre repas SoShape pour vous coucher léger. Pour le midi, bien évidemment, il faut rester raisonnable. Une de leurs nouveautés, le cookie healthy. Vous avez plusieurs saveurs sur le site. Vous dire que c'est super faible en matière grasse et en sucre. Les filles, je vais me préparer un shaker saveur cappuccino.
pour mon petit goûter, ça va me faire du bien. Aujourd'hui, je l'ai préparé avec du lait végétal et c'est super bon. Maria, elle est où ta voiture? Waouh! Oui, t'en as deux. Maintenant, elle sait dire deux. Oui. Deux. Un, deux. Tu m'emmènes à Paris? Tu m'emmènes à Paris? Tu m'emmènes à Paris avec ta voiture, Maria? Me llevas a Paris? Vamos?